Bonsoir, je m'appelle Encarnación Cortés. Je suis native de Murcia, d'une région qui est au sud de l'Espagne. Et donc mon expo, ma performance pour cette exposition, c'est de Cartagena à Juvignac. Et en gros, je vais représenter un peu les voyages depuis que je suis partie de chez moi jusqu'à que je suis arrivée ici. Donc j'invite à tout le monde à participer dans ma performance et à collaborer en train de voyager un peu avec moi en faisant leur bateau. Et voilà, c'est tout. Je m'appelle Fabrizio Lavagna, je suis italien, bon, moitié italien parce que ma mère est française, et j'arrive de Savona, mais j'ai étudié comme beaucoup d'artistes que j'ai amené ce soir à Carrara, aux Beaux-Arts de Carrara. Bon, déjà j'habite tout l'hiver à l'Odev, et l'été en Italie, et c'est un lieu qui m'avait déjà reçu et m'avait invité à participer à une expo, et j'ai bien aimé. Et en plus, ils sont très ouverts, ils me laissent organiser des petites choses et je suis très content de ça. J'ai choisi vraiment des pièces que j'avais ici en France. Et il y en a quelques-unes vieilles, il y en a quelques-unes qui n'est pas terminée, qu'on est en train de terminer ici le matin. Et non, il n'y a pas un sens pour cette fois. Mais dans mon projet que j'étais en train de t'expliquer, il y aura toujours un sens de l'espoir. Je m'appelle Nicola Domenici. Et je suis toscan, italien bien sûr, et j'habite dans une petite ville sur le bord de la mer à côté de Florence. Et c'est pas très connu, mais c'est une ville très touristique. Et moi-même, je suis un copain de Fabrizio Lavagna, il habite ici, il habite pas loin d'ici, à l'Odev. Et je suis venu en France dans 2012, j'habitais à côté de lui. Et on a fait beaucoup de choses ensemble, on avait l'atelier ensemble, on a travaillé ensemble, on a fait beaucoup d'expos en Espagne, en Allemagne, en Italie aussi, en France. Et c'est pour ça que je suis ici, on est des amis, et notre amitié c'est très forte, c'est pour ça que je suis ici. En plus j'aime beaucoup la France, et les Français aussi bien sûr. Je présente des sculptures qui sont en résine, surtout en résine. J'ai un cheval en bronze, mais maintenant je travaille beaucoup la résine parce que je me donne la possibilité de faire des choses plus grandes et moins lourdes. Et j'ai fait des choses, je ne sais pas si tu as vu, sans les bras, sans les jambes, parce que c'est ma poétique. Je pense que tout le monde, il y a qualche chose qui manque, no? Manque dans la tête, dans le corps, je le fais comme ça, je le montre comme ça, sans le jambes, sans ça. C'est difficile de montrer una sculpture che manque de cose intellettuelle. Allora je coupe qualche chose, je coupe le bras, je coupe le mains, je metto dei petits boutons, je fais des petites choses pour attirer l'attention des visiteurs. Merci. Merci à toi. Merci à vous.